Bonsoir, 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 merci les Twins, merci à toi Eloi. Comment ça va? Bien? Bon alors, je suis ravi d'être avec vous, réellement. Nous sommes sur Gulli pour les Trophées du Cœur, une soirée exceptionnelle. Alors ce soir, nous allons rendre un hommage à 6 enfants, 6 héros, comme on les appelle nous ici. Et sachez qu'au-delà de tout ça, il y aura de la star, il y aura de la variété, il y aura tout ce qu'il faut pour s'amuser. C'est certain. Alors on s'est dit à un moment, tiens, il nous faudrait une marraine. Tout le monde a une marraine ici, d'accord? Alors je me suis dit, tiens, il nous faudrait quelqu'un de généreux, de talentueux, souriante. Et on s'est dit, pourquoi pas? Oui, pourquoi pas elle? Et vous savez quoi? Elle a accepté notre invitation. Voici Hélène Segarra. Bonsoir Hélène. Hélène Segarra, mesdames et messieurs. Bonsoir. Bonsoir, ça va bien? Ça va, je suis très contente d'être là. Ah, moi, je suis ravie que vous soyez la marraine de l'émission. Ben, moi, vraiment. Ça m'a fait très plaisir que vous me demandiez d'être la marraine. C'est tout normal, c'est tout naturel. Ça vous dirait peut-être de voir nos 6 héros de ce soir. Oui, ouais. J'ai fait des petits bisous dans les coulisses, je les ai vus cet après-midi, mais j'ai envie de les revoir. Là. Ils ont le trouillomètre à zéro. Hein. Ça, c'est vrai. On va les retrouver maintenant, si vous le voulez bien. On les accueille ensemble. Il y a Samira, Louis, Nabintou, Joséphine, Victoria et Victor. Qu'est-ce qu'ils sont beaux! Ça va? Ouais, oui. Ah, vous avez l'air en forme, hein. Je vous présente votre marraine, Hélène. Elle est belle, hein? Oui. Ils l'ont dit en plus, ils sont trop mignons. Bon alors, il paraît que vous faites des bonnes actions. Je sais pas, il paraît qu'on va vous récompenser ce soir. Vous êtes à l'honneur, hein, vous le savez. Alors maintenant, histoire de découvrir ce que vous faites réellement, bah vous êtes étudiant, mais au-delà de tout ça, vous vous impliquez vraiment. Je vous invite maintenant à regarder un petit florilège de ce que font nos héros. Quand on est au cinéma, pendant une heure et demie, on oublie genre le stress de la vie. Le cinéma, ça fait rêver et à faire oublier surtout. Là, c'était un an après qu'elle soit venue. Et là, ça allait beaucoup mieux, elle a été opérée. Ouais, ça c'est frappant la différence. Je sais pas, il devrait manger comme nous, 3 fois par jour ou 4 fois. J'aimerais bien participer quand même à la distribution, pour voir comment ça marche et puis le plaisir des enfants. Soit tu répètes, tant que t'as pas fini. Hop, 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 hop. Alors ça, c'est génial votre idée pour une éducation meilleure au Mozambique. Y en a, ils ont pas deux maisons. Moi, j'ai une maison, j'ai l'eau chaude, j'ai l'eau froide. J'aime bien aider les gens, c'est normal, c'est naturel. Ah, je vous l'ai dit, il y aura de la générosité ce soir et on va s'amuser avec des stars, sachez-le. Je vous ai dit, il y aura du grand, du très très grand. Elle nous revient avec un nouveau duo. Mm-hmm. Kelly Rowland, ça vous dit quelque chose, hein? Une ex-Destiny Child s'est associée à Nadia pour quelque chose d'exceptionnel. Voici maintenant son nouveau tube, No Future in the Past. Yeah.
Nadia. Nadia, merci d'être là. Merci à vous. Ça me fait super plaisir. Salut. Alors, laissez-moi vous présenter, comme je vous l'ai dit, Samira. C'est notre graine de championne, on l'appelle comme ça. Elle a découvert le tennis et a bénéficié du soutien scolaire grâce à l'association Faites le mur de Yannick Noah, que vous connaissez peut-être. Aujourd'hui, Samira rend ce qu'elle a reçu. À qui ? Aux autres. Regardez. Je m'appelle Samira, j'ai 13 ans. Je m'engage contre l'exclusion avec le sport. Depuis 5 ans, Samira fait partie de Faites le mur, une association fondée il y a 12 ans par Yannick Noah pour sortir les jeunes de leur banlieue. Au programme, du tennis bien sûr, mais aussi de l'aide aux devoirs et des sorties culturelles hors de la cité. T'as pris ton cahier de leçons ? Oui, il est là. Et t'es en train de faire quoi là ? Ça. Quand elle avait 8 ans, c'est elle qu'on a aidé à faire ses devoirs. Aujourd'hui, Samira est une bonne élève et a donc décidé de rendre l'appareil. Vas-y. Moi, ça me plaît à faire les devoirs car je suis passée par là, on m'a aidée, donc je fais la même chose. Avec Nicolas, papa et maman, Caroline se promène dans la forêt. À toi maintenant. Avec Nicolas, papa et maman et Caroline. Alors trouve-moi l'Asie. Non, c'est pas marqué. C'est pas la peine de chercher, c'est pas marqué. C'est comme l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud. Bah c'est là alors. Non. Tu vois là, t'es en train de poser une question. Donc là, tu vas mettre une. Patience, autorité, Samira prend son rôle très au sérieux et ça rigole pas. Hein. Tant qu'ils n'ont pas fini leur devoir ici, ils jouent pas au tennis. Jusqu'au bout, on les soutient jusqu'au bout. Allez, fais tes devoirs. Allez, pourquoi comme ça, demain, tu auras une bonne note. La maîtresse, elle sera un peu plus contente de toi. Elle va dire, ouais, t'as fait tes devoirs, c'est bien. Vas-y, t'es sûr. Tu prends une raquette et tu vas. Toi, t'as fini ou pas ? Bah, tu t'assois, tu répètes. Tant que t'as pas fini. Faire des petits exercices avant de cadrer. La prochaine fois que tu viens pas en tenue de tennis, tu n'as pas bon cours. Toi aussi, pareil. Grâce à l'association, Samira est aussi une bonne joueuse de tennis classée 31 qui a décidé à son tour d'entraîner les enfants de la cité. Alors ici, ça va être des montées de genoux. Pour Samira, le tennis, ce n'est pas que la compétition, c'est aussi des valeurs et l'école de la vie. Le sport, ça apporte du plaisir, du sérieux, du respect, de vivre en collectif, d'être en groupe, de s'écouter. Même en dehors du sport, c'est important de bosser. D'être sérieux à l'école, de respecter, de faire ses devoirs, voilà quoi. Le tennis pour sortir de l'exclusion, c'est le rêve de tous ses enfants et c'est aussi celui de Samira. Moi, comme avenir avec le tennis, c'est d'être star de tennis. C'est mon rêve. Et à mon âge, il y en a qui sont classés mieux que moi. Donc, je suis un peu en retard. Donc, c'est normal, je lâche pas le coup. Entraînement. Comme ça, quand je vais à un tournoi, je déchire tout, je gagne.